Impressionné. Content. Qu'est-ce qui est agréable au toucher? Mais qu'est-ce qui peut être agréable au toucher? Je ne sais pas. La peau d'une personne peut être et moi. Non, on n'a pas écrit un scénario. Comment gérer une relation entrecoupée entre... Je pense que ici, on n'est pas en relation. Oui, c'est pareil. Il y a beaucoup de choses qui s'entrecoupent, mais ce qui me rassure, on se connaît depuis assez longtemps, moi, mais très bien. Que j'ai l'impression que... Donc on est comme des intimes. Voilà. Ouais, on se connaît depuis longtemps. Et je pense qu'on se connaît bien, même si nous ne sommes pas intimes. Je pense qu'on se connaît très bien. Et tu m'avais répondu que c'était pas vrai, c'était très bizarre, je n'avais pas super bien pris, et en même temps j'avais bien pris. Mais en tout cas, pour revenir aux relations entrecoupées, notre relation, elle est vraiment faite de ça, de fragmentation. Surtout de douceur.
la relation à la frustration, la relation au travail. Oui. Ça se passait plutôt au moment où on était silencieux, où on disait rien, où on attendait l'autre. C'était pas facile à gérer du tout. J'ai plutôt une tendance à être un peu agressif. Je pense que je suis plus douce. De l'intimité.
J'entends la porte. Oui. Que c'était gênant. Donc je pense vraiment à ce moment-là, peut-être qu'on était vraiment dans l'intimité, ou peut-être qu'on avait besoin de cette chaleur-là, ou en tout cas de ce geste-là. Il y a un décalage, ça ne répond jamais au bon moment. Donc je ne peux, je ne sais pas qu'est-ce que c'est la sincérité dans un vide. Et je me sens très soutenue dans ce vide. C'est très dommage. Envie de toucher l'autre. Cette envie de toucher l'autre, ça vient d'une frustration. Ça vient du fait que toute notre communication touche.